de faire chier Red parce que c'est à peu près ma seule chance, donc j'ai commencé avec Judas. D'accord. C'est malin. Ok, alors Red a choisi Lilith en 1. Vas-y, continue. Red, il banne quoi du coup? Bah, attends, mais on va. Ouais, Lilith, ouais. On va faire dans l'ordre. Attends que je reprenisse des persos, il fait. Oh, thank you for the instructor. Thank you very much. Qu'est-ce qui est chiant ou qu'est-ce qu'ils veulent faire chier? On va dire Eve. Eve, ok. Alors lui avait choisi Samael. Keeper. Ah, il a choisi Keeper, merde. Alors du coup, Grid, tu peux demander à Red qu'est-ce qu'il veut ban d'autre? Alors attends. Vas-y. Et pour les starters, je te laisse commencer. Couteau. Moi je dis GG. Je m'excuserai, mais face à Red. Alors mais lui il avait choisi. Il est malin, il t'entend, donc il a dit Blue Baby pour le dernier. Blue Baby, ok. Alors il avait choisi Firemind, 13 vues qui foutent. Sac Dagger. Sac Dagger. Ah, Sac Dagger, c'est lucide. C'est lucide, ouais. Alors, ensuite il avait choisi Kamikaze. Vas-y, continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Dead Eye. Je m'attendais à tes kicks, je suis déçu. Ouais, pareil. Je te disqualifie. Faut pas déconner. Et lui, je choisis Mega Satan. Mega Blast. Ok. Ouais, j'ai juste un petit truc à faire sur les trackers, parce que comme d'hab, il y en a toujours un qui bug. On sort ça rapidement. Et on va commencer. J'adore ton gilet d'ouverture, Narium. Il est bien mouillé. Enfin. Il est énorme. Il est juste, mais énorme. Je n'en peux plus, quoi. C'est... Il y a toujours ce petit filet de bave à la fin. Vous trouvez que c'est normal que ça m'excite ou pas? Mais tout excite. Bah écoute, chacun son truc. Normal, ouais. C'est dingue. Non, tu veux vraiment que ça t'excite? Imagine que c'est moi qui le fais. Voilà. Je suis très perturbé. Je suis désolé. Faut pas jouer avec DJ Forceps, Shigan. Il pourrait dire que ça l'excite aussi. Ah, totalement. Allez, le starter. Le perso. Maggie. Je suis déçu qu'il n'y ait pas Samael quand même. Désolé. Mais Samael a toujours pas été banni. Hein. Ah, toujours a été banni pour l'instant. Et bah ouais, c'est ça, mec, c'est le slider, t'en fais. Moi, je voulais jouer ça, mec. Ludovico Parasite. Allez. Allez. Maggie Ludovico Parasite. Allez. J'ai tes chances, Marium. On a vu, hein, tout à l'heure, Def peut le faire en 6 minutes, alors c'est bon. Arrêtez de vous plaindre. Bon, du coup, je vais vous mettre dans... Je te mets toi, Narium, et Grid dans Rice. C'est qui, toi? C'est joué déjà Death Clash? Non. Bon, je vais Narium Guild, je vous mets en race. Voilà. Ouais. Ça marche. Et bonne chance. Bonne chance. Ils sont partis déjà. Ah oui, ils sont partis. Tu dis bonne chance alors qu'ils sont partis, mais que non, non, mais je leur ai dit, j'ai dit bonne chance en bougeant. Malin. Malinx le lynx. Ouais, faire. Malinx le crafter lynx. Oh, c'est drôle. Oh là là. Je stream de la joie et de la bonne humeur. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et Icobit. Tout à fait. Ouais, GG Crafter, c'est vrai que... Ouais, il y avait un show match. Ouais. C'est vrai que, franchement, le match d'avant était ouf. Hein. Ouf de chez ouf. Ouais, clairement. Ah, c'était bonheur, ouais. Oh là là. Ça, c'est ce que j'attendais vraiment, on va dire. J'attendais ça de ce match, en toute façon. Avec tout le respect que j'ai pour Narium, qui est un ami, les bookmakers ont plutôt misé sur Red. Sur le Red est légèrement favori sur le papier, effectivement. Mm. Après, j'ai l'impression que Narium joue à la souris, ce qui peut l'avantager avec le Ludovico. Ouais, il joue à la souris. Hein. C'est bien d'avoir voulu laisser le marqueur aux souris, d'ailleurs, je trouve. C'est même pas une blague, hein. Je trouve que c'est bien. Vraiment. C'est bien d'avoir laissé le marqueur aux souris, je trouve. C'est... Le marqueur aux souris? Ouais, sur le stream de Narium. Oui, le curseur. Ah oui, oh, c'est bon. Et un. Oh, et.
Non, mais j'aurais pu comprendre avec marqueur. Alors, Red backtrack pour... Oh, ça c'est méchant. En général, il backtrack jamais, il avance, il a jamais le temps. Là, il prend le choix de backtrack pour un Magic Mush que n'a pas Narium, et là, c'est une vraie c'est lucide, ouais, totalement. Ah, ouais. Après, il y a un bon Tears Up hein, quand même chez Narium. Hein. Mais bon, je pense que le Magic Mush est vraiment beaucoup plus puissant que le Tears Up. Hein. Le Tears Up influence quoi dans le Ludovico? Le nombre de petites larmes qui sortent du... Je crois, ouais. Non, il influence la vitesse de la boule. C'est pas le Shot Speed, ça? Regarde, vous trouvez pas que je suis même sûr que la boule de Red va moins vite que celle de Narium. Regardez les deux. La vitesse où elle se déplace. J'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais... Non, je trouve pas. Ah ouais, tu vois, c'est moi qui... Je pense que c'est le tic, hein. C'est le nombre de tics que fait le Tears Up. Red ramasse une bombe qu'il n'a pas ramassé Narium, du coup il peut bomber cette porte-là. Incroyable. Alors quand même, on rappelle que le vainqueur aura la chance d'affronter Anti demain. C'est cadeau. C'est cadeau, il est gratuit. Oh, Fear Shot. Alors je sais pas si le Fear Shot avec le Ludovico c'est une bonne idée. Ouais, mais ça fait 8 damage up, il a 10 dégâts maintenant. Oui, certes, mais ouais. J'ai peur que ça les emmerde plus qu'autre chose, le Fear Shot. Ça a été pris en tout cas des deux côtés. Donc. Oui. Ah, fun, ouais. Voilà. Léo connaît maintenant. J'ai jamais joué anti en 6D. J'aimerais bien le faire un jour au moins pour voir quand même la mine. Ah, il picote, hein. Il picote le cul. Je pense qu'il doit picoter, ouais. J'aimerais bien voir juste pour voir la misère qu'il peut me mettre, quoi. Il y a backtrack chez Narium hein, pour aller voir l'item room qui n'a pas été vu chez Red. Il a ramassé quoi, j'ai pas vu J'ai pas vu non plus. Je crois qu'il a rien ramassé en fait. D'accord, il n'y avait rien d'intéressant. Ouais, j'ai pas vu. J'ai cligné les yeux. Ah, speedball, je pense que ça va être sympathique ça. Ouais. Si sa boule se déplace plus vite, ouais, ça va être cool pour lui. Oui, mais normalement. Ah bah là, la boule se déplace plus vite, oui madame. C'est le shot d'accord. Speed, ouais. Ouais. Tu vois. Effectivement, mais c'est moi qui ai halluciné. Ah, bah bon, on peut y tout le temps. Tu en même temps, t'as envie de te masturber quand tu me vois. Pas faux. Ah, le bouc aussi fait. Ouais, bah c'est mieux que le Yumar. Oui. Est-ce que Narium va le prendre? C'est la question qu'on se pose. Tout à fait. Je sais pas. Je pense que oui, il n'y a qu'un seul reroll à la bombe. Ah non, il a même pas ouvert sa... Ah, il a même pas de bombe. Ouais. Il a même pas le clic. Il a pas été voir, mais du coup, s'il se fait troller par le mapping et qu'on a un proc treasure map avec celui de Red, voilà. Ça peut faire une diff aussi. Oh, ça fait quand même. Un Magic Mush et du mapping de moins. Il y a une histoire de lui maintenant. Oula! Ça prend Helibrim quand même, hein, c'est beau. Oui. Mais il va tout faire Helibrim, je pense. On va voir. Non, même pas. Non. Bah, son Ludovico vous a fait mal maintenant, mais il s'aide. Et c'est toujours la difficulté qu'on rencontre quand on a deux options, c'est de choisir. Soit être capable d'utiliser les deux, soit être capable d'utiliser les deux. Ah, les deux, c'est dur quand même. Là sur un build comme ça, c'est dur. Ouais, c'est puis non seulement c'est dur, mais c'est surtout que c'est le genre d'entraînement qu'ils ont jamais. Ouais, mais en même temps, moi, j'aime beaucoup ce build même. Moi. Franchement. Pour moi, mauvaise idée. Pour moi, mauvaise idée. Il n'y a plus le parasite. Ah. Pour moi, mauvaise idée. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de se dire là. Ouais. Parce que Narium va beaucoup plus les temps. Il a vu le knife, il s'est dit je le prends. Bon, le boss. On verra si c'est vraiment une moins bonne idée dans le chest. Moi, je pense que c'est une moins bonne idée. Hein. Mais ça va vite quoi qu'il arrive, il est de côté. Hein. Ouais. Go, Red, go. Yeah, it's your husband. But yeah. I don't care. I'm your lover, so I don't care. Okay. Yeah. Oh, ouais, il semblerait qu'effectivement le couteau soit une très mauvaise idée. Ah non mais il a du mal maintenant. Ouais mais écoute, après ça c'est des trucs que tu peux pas trop savoir. Hein. Et peut-être que Narium aurait fait la même chose. Hein. Je pense même que Narium aurait fait la même chose, mais c'est vrai que Ludovico Knife, c'est pas bien du tout. Non, Ludovico avec le Knife, ouais,
on sait que... Enfin, en principe, on sait que c'est... Bah moi, je savais pas. Toi, tu savais, moi, je savais pas. Ah, Red. Sako. Bah moi, j'ai pas... Pour moi, ça va. Non, j'ai pas de problème. Pour toi, ça va. Ah, moi, j'ai eu du buffer, ouais. Moi, j'ai eu peur que ce soit Sako qui lâche. Bah non, tout va bien. Ouais, ouais, mais il devait penser, mais il devait le faire vite, quoi, tu vois, c'est ça le truc, c'était un peu compliqué quand même à faire. Hein. Non, c'est pas, c'est une erreur, mais en soi, il pouvait pas faire grand chose pour contrer l'erreur, c'est... Faut le savoir, mine de rien, faut le savoir, et, c'est pas quelque chose de sans... Ouais, voilà, il y en a plein qui auraient pas su. Moi, j'ai des directs, hein, je pense que ça va pas être bien, mais effectivement... Faut le savoir. Je pense que c'était lucide d'utiliser la Head of Krampus dans la grande salle et de parce que le couteau mine de rien il a quand même il a ouais, quand pour même les boss un, ça, ça, un ça, très ça, bon boss clear. Par contre il a perdu de la vitesse son Ludovico en fait en étant sous forme de knife. Peut-être ouais. Et ça c'est gênant. Bah, j'ai l'impression hein, regarde. Tout à fait. C'est ça qui est gênant en fait. La misère. Là, Narium, pour le coup, avantage à lui. Hein. Ah, puis il y a même ma photo là. Mm-hmm. S'il est solide, c'est la win. Oh, je pense que Narium va gagner. Hein. Là, oui. Bah, Ludo, le truc, ouais, c'est que c'est un même start, mais bon, c'est un bon même start, quoi, mine de rien, on a 7 minutes à la KT. Hein. Ah. Ouais, il tape. Hein. Oh, ouais, ouais. Après, ça, le Death Touch fait pas de mal. Ouais, c'est quand même des bonnes strats, quoi. Ah, Red a mis le jeu en pause. Oh, forfait. C'est mal écrit, il recommence. Après, Narium peut crever. Hein. Ouais. Bah, faut le prendre, ça, oui. Ah, terrible. Quand on voit la vitesse ou le vide du boss descend, côté Narium, c'est pas dégueulasse. Ouais, 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 c'est pas dégueulasse du tout comme bilan. Maintenant, voilà, il a que deux cœurs, il va falloir être solide. Ouais, oh, oui, lustre. Après, il va pouvoir voir tous les coffres du chest, il a un reroll, bon. Ouais, il aura quelque chose de bien. Ah, et puis, il va être safe. Ouais, Coned. Ça prend pas le magnéto, je suis déçu. Ouais, finalement, c'est pas dégueulasse en fait. Hein. Oh non, non, c'est loin d'être dégueu. Hein. Du tout. Non, c'est un bon build. Non, mais les mêmes builds sont loin d'être dégueu, hein, les tous. Hein. Même Firemind est 13 de Kifu, faut juste savoir le jouer, quoi, mais c'est pas dégueu. Et soit. Puis, effectivement, le 4 anti-raid. Ça fait proc beaucoup beaucoup de larmes dès que ça touche quoi, tu vois, le nombre de. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Je sais pas si c'est cred à forfait. Bah ouais, il le voit à base 22 de toute façon quoi qu'il arrive, donc. Ah oui bien sûr, ouais. Ah cette salle-là elle aurait été sympa. On peut ne pas le savoir. S'il n'y a qu'un seul écran, qui joue en plein écran. Red il nous fait les choses bizarres. Je comprends pas ce qu'il fait. Je pense que Red a forfait. Hein. A craqué. Craqué. D'accord. Je ne comprends pas. Ah, c'est top dur là, putain. Oh non, c'est clair. Je comprends pas, Red essaye-t-il de communiquer avec nous. D'accord, il commence à streaker. Ça se dit, c'est avec Ludovico quand même. Hein. C'est pas mal, hein. 10-0-4, ouais, ça va, c'est bien. Et Darum qui prend le premier 10-0-4, point. Darum qui prend le premier point. Mine de rien. GG. Allez, deuxième perso.
ton Narium avait prévenu Red, hein, on prend pas le couteau. Ah. Azazel. Azazel. Il n'a pas été banni, c'était à deux doigts de Zolos, non? Oh. Azazel Brimstone. Bon. Ouais, bah oui, mais... Red n'aime pas Brimstone. Faut le dire. Ah, ouais, comme quoi. Mais ça devrait aller, quoi. Azazel Brimstone, ça signe rien, de toute façon, donc... Oui. On peut pas dire non, on refuse. Ah non. Ça serait dommage. Je trouve que c'est bien de commencer avec Brimstone et le vol, enfin Azazel en plus. Oh oui, c'est pas grave. C'est quand même mieux d'avoir la grande Brimstone plutôt que la petite, quoi. En fait, qui fait n'importe quoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Mon kiki, bien sûr. Ouais, non, c'est plutôt sympa, hein. Ouais, c'est là qu'il aurait fallu les deux Vico. Ouais. Ah ouais, ça aurait été accepté, hein, de toute façon. Encore une fois, on a dit on refuse juste ce qui s'énergise pas. Il y a pas beaucoup de choses qui s'énergisent pas après. Hein. Après, Ludovico Parasite, on aurait eu le cercle du Ludovico, mais on n'aurait pas eu le. Je pense qu'on n'aurait pas eu le Parasite. Ouais, mais quoi qu'il arrive, on aurait eu le cercle du Ludovico, donc on aurait dit oui. Hein. Mais oui, ça s'énergise. Mais ça s'énergise de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, la marque quand même. À prendre bien sûr. Ouais. Ouais, enfin Red, bon, il a pas le temps. Hein. Il a pas le temps de miser. Hein. Non. D'ailleurs, il a utilisé de full parce qu'il est arrivé dans une impasse. Ouais, et de la merde. Alors là par contre, ouais. Là, faut utiliser le. Faut prendre des bouquins. Ça donne beaucoup d'armes, hein, mine de rien. Ils se montent à 4 cœurs, comme ça si jamais il y a un défi de deal à nouveau, il pourra le prendre. Ah, j'aurais bien aller voir un bouquin, moi. Oh putain, des salles très très relous. Bah il peut pas, il a pas oh. Le... Enfin, le si il est pas avec la batterie, son... avec la batterie. Ouais, ah, avec oui. La batterie, ouais. Avec ah, j'aurais fait ça comme ça, moi. Pour Bookworm Ah, le Bookworm s'est pété avec Bombson, hein. Bien sûr, mais je pense que... je pense qu'il voulait se mettre safe pour pouvoir bourrer, quoi. Ouais, peut-être après, hein, mais... Il savait le silence pas avec les participants, ce qui est pas faux. Synergise avec rien, ces trucs-là. Tu peux reçus, avec un knife. Ouais, Pekak. J'aime bien Pekak avec Keeper. Le temps fut du souci. Là, j'avoue que non. Là, tu vas trop loin. Non, mais là, j'étais même pas ironique, hein. C'est ça le pire. Mais j'aime pas. Oh, je l'arrête. Je l'arrête. Tu vas en prendre de la range. Oh oui. Oh, oui, je sais pas pourquoi il l'a pas. Bon, ça se prenait. Hein. Bon, oui. Il a pas le Polaroid ni rien. Pas... Narium, je sens qu'il joue à fond. Quoi. C'est fou. Narium, il a pas le frame. Hein. Il est en mode. Ouais, je joue pas contre n'importe qui. Quoi. C'est. Ouais, qui est porté qui dessus. Ouais, c'est quoi. Contre Red, de toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Soit il sort le match de sa vie. Enfin, après, derrière, consenti, il faudra sortir le match de sa vie aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ceci dit, il a très bien joué le match avant avec. Ah oui, clairement. Ah oui. Bah, Darium, il a pas joué pendant un bon moment. Et là, il s'est remis à s'entraîner quand même assez intensivement pour les différents tournois auxquels il participe. Hein. Ouais, puis il a un niveau tout à fait correct. Ah, Incubus, ça c'est cool. Mo Incubus Mo Ah, que... Mo, je préfère Mo quand même. Hein. Mo aussi. Ouais. Mo aussi. Oh, skiff kiff pour Rico. Les deux sont bien. Je cherche du damage. Bah ouais.
Après, moi, c'est du damage, mais si la Krampus et le call, j'hésiterai à le prendre. Mm-hmm. Sa source de damage principale est le brim, donc en toute logique, on prend le call. Mais ça nerf le call, ça nerf le mot. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et Red reste devant. Semi-double shot avec Incubus, ça tape plus. Ouais, oui, ouais. Je sais pas, honnêtement. Je sais pas, et comme je disais, si tu dois de toute façon à un moment donné choisir un call qui anti-synergise avec ton mot, il vaut mieux avoir l'Incubus. Ok, ouais. Ceci dit, il l'a pas encore trouvé. Ah, il prend Rotten de Bits, ça fait plaisir. Ah bah donne. Des bookworms. Les bits sont intéressants. Hein. Les bits sont intéressants. Très proche. Hein. Très proche les uns des autres. Ouais, sauf que Red a pris une impasse qu'elle n'a pas pris Narium. Oui. Et Narium prend beaucoup de dégâts, que ne prend pas Red. Mais il a plus de cœur. Que n'a pas Red. Voilà. C'est compliqué. Oui, mais pourquoi c'est si compliqué? Je me demande si Narium n'est pas passé devant là. Oui, il est passé devant. Il n'y a pas beaucoup, hein, mais. Bah, le Racing Plus va encore être devant, mais. Ah, écran plus. Call or not call? Of course, call. Call! Ah, voilà. Du coup, le mot tout à fait. Enfin, là, pas inefficace, mais bien nerfé, quoi, on va dire. Oh là là, ouais, le dégât. Ah, ouais, la raid est en train de reprendre, là. Oui, bah ouais, forcément. Mais. Parce que lui, par contre, le call agit aussi sur Incubus. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était intéressant de plutôt prendre Incubus plutôt que Mo. Mais c'est vrai, hein. Ça va vite, ça va tellement vite. Oh là là. 6 minutes. Ah ouais, non, mais c'est fou. C'est pour ça, une heure d'estimate sur un match, ça me paraît bien quand même. Hein. Mm-hmm. Même si ça va en 5. Après, aucun des deux n'a clé, donc ils seront pas avantagés dans le chest. Ouais, mais non, là, y a pas chier. Hein. Red a quand même un putain meilleur pick. Red a un gros avantage. Encore une impasse. DPS, ouais. Ah, est-ce que Narium regarde le style de Red? Je ne sais pas. Je crois pas qu'il ait une bonne co. Non, il l'avait dit tout à l'heure. Non, il a pas une bonne co, t'as raison. Donc, à mon avis, il le regarde. Oui, effectivement. Ah, t'es content d'avoir double brume dans cette salle-là. Ouais. Ah, bon. Ah, Docteur Fetus, ça me paraissait bien. Je sais pas pourquoi il est passé là, Red. Ça aurait pu. Oui, ça sert à rien. Non, mais il se fait pour finir, il va pas s'arrêter, il va pas regarder ce qu'il y a dans les coffres, ils sont branlés. Non. Maintenant, il s'arrête plus. Bah, disons qu'il y a pas grand chose qui serait intéressant. Quoi. Bon, peut-être les Varicose Vein, un truc comme ça. Mais... Ils sont pas loin l'un de l'autre, mais ouais, voilà, mais bon, hein, le DPS de Red est supérieur. Il reste loin, hein, on voit bien qu'il se sert du call. Ouais, et puis tant pis pour le. Ouais, 739. Tant pis pour l'orbital, ouais. 739. C'est propre. C'est propre. Ah oui. C'est propre. Hein. C'est propre comme match. Hein. Je vois. Alors, Sanson. Tu le sens le Sanson Choco? Oh, non, pitié. Ouf, Sanson Technologie Lump of Call. Technologie Lump of Call. Et ben. Ah, il doit être coton. Hein. Après, ils vont chercher le brim. Hein. Après, Red qui fait des séances de strict, tu sais, avec du Zelos, machin, est peut-être plus habitué que Narium à des builds un peu exotiques. Un peu dégueulasse, ouais. Ouais. Bah, tu sais, honnêtement, moi, ça m'est arrivé d'avoir le Technology Lump of Call lors de l'IOTR de l'année dernière. Bah, je trouve ça va. J'ai pas détesté. Enfin, j'ai ah non, non.
J'ai trouvé ça sympa. Synergise quand même avec pas mal de trucs. Alors après, bah évidemment, Mo et Atame, voilà quoi. Mais genre, tu tombes sur, je sais pas moi, Brim, tu tombes sur des trucs comme ça. Mais du homing. Tu tombes sur du homing, t'es content. Tu tombes sur, voilà, ça synergise quand même avec quelques trucs. Et puis, non, je trouvais pas ça dégueulasse. J'aimais bien, moi. Voilà. Shigan va encore se faire insulter, mais ouais. Tout à fait. C'est mérité. Oui, bah tout à fait. Can you spin while I lit a morphone for entertainment? I will do it tomorrow, Def. I will do it tomorrow because I need to change some setup. But yeah, you must remind me of that on the Discord, and I will do it. A little more for fun. Alors après, c'est peut-être du troll, hein. Je suis pas certaine. Ouais, Narium, faudrait qu'il pense à laisser tomber son trinket pour. Pour Samson, faut pas le garder, ce trinket. Alors, Narium a pensé à se faire toucher pour monter son DPS, parce qu'il n'a pas fait. Raid. Si, actuellement. Oui, mais il l'a pas fait sur les salons en bas. Ah, Peaches. Ça part sur un Pijems. Et tout le monde au lit. Tout à fait. Ouais, du coup, il va pouvoir augmenter ses dégâts pour B2 aussi. Ouais. Ah, quand il est très loin, ça tape relativement fort pour B2, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, ça s'essouffle vite, hein. Ah, buffer chez Red. Buffer chez Red pour moi aussi. Moi aussi. Merde. Allez, voilà. C'est bon, ça revient du... Pin, ils ont un abonnement chez Pin. Du coup, il y a 10 secondes d'écart entre les streams. Non, c'est bon, j'ai... Alors, deal, pas ouf. Ah bah non, mais... Ne dis pas, faut qu'on... Je vais refresh. Oui, du coup, pour moi, il est sur Caves, donc j'ai raté les villes. Moi aussi. D'accord. Ouais. C'était Dead 4, c'était pas ouf. Ah, première pièce du petit chat, quoi. Pourquoi il prend pas l'active à prendre ? C'est pas terrible, non. Ouais, c'est nul, ça. C'est pas terrible dans les salles avec plein de petits mobs relous avec son stuff. Ça peut lui servir. Je dis pas que ça va lui servir, je dis que ça peut lui servir. Mm-hmm. Oh, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de servir ce genre de... Enfin, moi, celui-là, je... Tu sais, les salles gavées de... des Envy ou des salles gavées de mouches à la con. Ouais. Ah bah, on le voit, là. Bah oui, les espèces d'orbitaux relous, ils sont restés sur place. Et Narium l'utilise aussi. Ouais, par contre, il a pas gardé la charge pour le boss, là. Et puis, ça peut péter les caillasses, ça peut péter les... Narium a cassé un rocher marqué grâce à ça. Ah, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être pour ça que c'est utilisé. Avec son plein de cœur gris, si tu peux te faire toucher pour monter ton damage up, pour monter tes damage, c'est pas dégueulasse. Certes. Bon, c'est quand même pas fichu. C'est pas débile de ouf, hein, pour l'instant. On n'est pas sur un 6 minutes, quoi. Non, pas que c'est build là, non. Ah non. Moi j'étais pas fan. Oh là là. Ah, il y a un misclick de raid. Quoique non, ça tire tous les. Bah non, je crois que. Ça a essayé d'attirer le Mystery Cap, je ne sais pas. Ah, mais il l'a trouvé grâce au champignon cassé, grâce à l'activable. Ouais. Ah. Va-t-il avoir un double call? Double Lump of Call peut-être. Je pense pas. Ouais, je pense pas que ça fasse double modif. Hein. Incubus, c'est pas dégueulasse. Non. Ouais, par contre, ça, c'est sympa. Le double tir, ouais, c'est bien. Oui. Il a rien, mais derrière. Oui, clairement. Là. Il a perdu du temps quoi, sur l'étage précédent. Dans le vidage de salle, tout simplement, j'ai envie de dire. Mmh.
Ouais, c'est pas une run de fifou hein, quand même. Hein. Non. C'est toi le responsable. Ah, tout à fait. j'en suis conscient. C'est ta faute, ta très grande faute. Tout à fait. Attends, moi, tu dois te repentir à genoux. À genoux, oui. J'ai la flemme. Je peux pas te le cacher. Bon, tu le feras demain, ça va. Oh là là. Bon, bah, ça attire pas le... Ça attire pas le masque. Ça attire pas le gros. Hein. C'est con, d'ailleurs. Parce qu'il colle au fion, le masque, là. Ouais, mais c'est peut-être que ça attire pas ceux qui ont le vol. Le masque, il est considéré comme ayant le vol, peut-être. Bah, un trou noir, même mais un truc qui vole, ça l'attire, normalement. Bah, oui, on est d'accord, mais... C'est, bah, c'est pas un trou noir. Flagelle-toi, chicane. Non. Ouais. Encore un petit damage up. Pour l'instant, le damage up, c'est The Meat et Young et le truc de poche de. Enfin, le truc de sang là. Incubus aussi. C'est pas ouf. Ouais, Incubus, ouais, bien sûr. Ah oui. Non, j'avoue que là. Oh là là. It's not ouf. Il a plus de vie que Red, Narium, du coup, il peut faire un petit peu plus de damage up. Parce que là, Red va vouloir éviter de se faire toucher dans ses cœurs rouges. C'est une run hypnotisante, je dirais. Ouais. Je te trouve généreux avec le jeu, là. Ah non, c'est chier. Ah oui. Vous plaignez, mais mettez-vous leur place à eux. Ouais, parce que... Oh là là. Ah non, moi je me plains pas, je m'endors. moi aussi, en fait, c'est pour ça, c'est hypnotisant. Bon, je pense que ça change. Oui, ça change, mais on aurait voulu un petit peu plus de damage up. And the chat money supports Red. And she supports Red, Passion. She supports everyone. But she would support Red, it's her husband. Ben oui. C'est pour ça que je dis ça. Bah, 440 à Mom, y a pas de quoi s'endormir, mais 4,90 de dégâts. C'est triste. L'appel. C'est tellement super. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Alors que je viens de tuer un moustique. Il lâche le D6. Oui, c'est une décision. Discutable. Non, non, il préfère survivre et passer Womb 1, je le comprends. Après, c'est sûr que son build est loin d'être fait. Ah oui. Bon, ceci dit, il y a un damage up un peu plus sérieux avec le Guillaume. Ah, alors que Kigan déménage chez lui. Ouais, non, je suis désolé, j'ai tué un moustique en fait. Il est passé devant moi, voilà, ça fait un peu de bruit, je suis désolé. Oui, everyone, go! I will call myself everyone, so. Voilà, par contre, Narium, lui, il s'est TP carrément. Il a perdu un petit peu plus de temps que Red avec sa strat de perdre une vie, et il s'est TP. Du coup, voilà, il a perdu encore de précieux. Un peu de temps, Red est devant, là. Par contre, trop dur. C'est pas la rage. Hein. Bah, c'est surtout qu'il perd son DD, quoi. Ouais. Il faudrait des dégâts, là. C'est vraiment pas terrible. Au chest, ça va galérer. Oh, Narium est dans le même cas, regardez-le. Il vient ah de ouais, way. Non, mais... Déjà pour Isaac, là, les deux, ça fait peur un petit peu. Mais ça va être fun, vous allez voir. Oui. Je pense qu'ils vont me détester. Je pense que c'est mérité. Je pense qu'ils te détestent déjà. Oui. Ils me détestaient avant, hein, les deux. Je suis surpris que Red... Ah non, ça peut-être... Quand il s'éloigne, ça t'a peut-être plus fort. Oui. Ah, bien joué. Il n'a pas servi de l'orbital. Il a préféré. Voilà, et dès qu'elle a commencé à cracher, tout de suite, il s'est approché. Un petit wipe. Ouais, bah, chapeau de voir quand même. Ouais. Ah, t'as déjà. Oh là là, c'est ça. Oh là là. Ça va.
Même sa manette dit non. Sa manette dit non. Il a la manette qui le troll, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là. Celle-là, il va falloir la passer, hein. Putain. Bon courage, ouais. Il faut qu'il arrête d'essayer d'attaquer à l'orbital, je pense. Hein. Ouais, mais. Je sais pas, là, franchement. Il décide de tenter une autre route. C'est pas par là. C'est pas par là. Peut-être un petit charger le nail, peut-être. Charger le nail, ouais, ouais. Ceci dit, c'est le problème et l'avantage de cette idée, c'est qu'il a cette merde. Darium va ah, passer quoi qu'il arrive. Oh putain. Oh là là. Oh putain, GG pour passer. Et il a réussi. Ouais, GG. GG. J'aurais ouais. tellement jeté ma manette par la fenêtre, moi. Hein. Narium va pas tarder à arriver à cette merveille. Pof, oh, gangbang. Ah oui. Oh, sérieux, quoi. Je pense que Red est vénère. Je pense que oui. Et GG Narium aussi, hein. S'il s'en sort, il s'en sera sorti plus vite que Red. Ouf. Chose étiquette, mais ça passe. Ouais, ouais. Oh là là, ouais. C'est beau. Ah, c'est beau, là, on dirait du beau. Ils jouent bien. Les deux. C'est très correct. Par contre, Red va avoir du coup beaucoup plus de dégâts pour passer Isaac. Il s'est touché pas mal de fois. Hein. Pas négligeable. Ouais, mais. Ouais, il a le nail, que n'a pas Narium. Non, Narium a un D6 par contre pour le chest. Mmh. Oui. Ouais, mais faut pas que ce soit du Curse of Z4 quoi. Mmh. Déjà cette celle-là relou. Il est marrant ce gif de la manette de côté. C'est assez sympa. Ouais. Ah, DevTouch, c'est cool. Oh, il va prendre Piggy Bank, bien sûr. Évidemment qu'il prend Piggy Bank. Évidemment qu'il prend Piggy Bank. Ouais, bon, plus la duplex fera rien du tout. Et du coup, il a pas forcément eu besoin du D6, quoi. Ah, il se fait toucher, quel scandale. Le proc de la flamme. Ah, oh, c'est beau, quand même. Ça va un petit peu mieux, quoi. Je pense que ça va le faire. Ouais. Et Narium qui sait d'être solide. Never forget, lâche pas le morceau. Enfin, ça va le faire, il a déjà 2 hits. Et Narium qui a atteint la deuxième transformation. GG à lui. Hein. GG au 2. Putain. Et le run de merde, GG au 2. Ouf. Ah ouais. Et regarderai de la salle là. Elle est sympa celle-là aussi. C'est. Ouais, sympa. Ah, et Narium qui m'a crevé. Oh non. Elle est raide. Oh là là. Et ce qui est beau, c'est qu'on laisse jusqu'à 20 minutes, hein, de toute façon. Ah, oh, il va falloir qu'il se le retape. Ouais. Non mais Narium, est-ce que Narium pourrait aller aussi loin que Red? On sait jamais. Si oh ouais, en 9 minutes. S'il arrive à battre Isaac, de toute façon, c'est Red qui est arrivé au chest en premier. Hein. Ouais, mais s'il joue Godroom. Je ne sais pas. Pourquoi il part par là, tu vois pas? Oh, allez, la salle bien. Oh, la salle. Je suis tenté par dire la salle pute, mais après... Ah, la salle pute, ouais. Ah, le chest, c'est aussi, hein. Red Lucid décide de prendre une autre route. Ah, oui, il a raison. Je souhaite vraiment pour lui que ce soit par là. C'est par là, je pense. Mais il devrait utiliser son mapping. Oh là là, oh là là. Oh là là. C'était très chaud. Oh là là, oh là là. Le mapping aérien proc. Elle est tout dedans. Pas passé loin. Genre la salle, tout à fait passion. Genre la salle pute. Ah mais il va recharger son nail. Son nail, ouais. Là oui, il aura le nail chargé, ouais. Utilise-le mec, fais pas le ouf. C'était un dégât. Va voir ce que c'est. Ah merde. Oh la salle de okay, merde, je le sens tellement. Ça va. Oh, ça va. Ah, il faut pas qu'il se retrouve avec un... Oh là là.
Respire, Shigan, respire. C'est pas moi. Ce coffre. Avec Fan, bien sûr. Évidemment. Faut tout prendre, là, tu t'en prends. Super important. Oh là là, oh là là. Oh, ça pue la merde, on va pas se mentir. Surtout qu'on se fait, quand on se fait jeter des araignées sur la tête. Narium est cinquième. Les deux, pourquoi il l'a pris les deux. Pourquoi il a pris le bigger Narium? Il n'aura pas de proc de Paula du coup. Hein? Narium, il a pris le... Un corps entier? Un demi-cœur rouge, il s'est mis à deux cœurs. Je suis stressé pour les deux. Hein. Oui, là... Oh, c'est bon! Ah, oh, là, là. Bah, voilà. C'est win. Voilà. C'est win. C'est la win pour lui, ouais. Voilà. Mais même quelques, même Narium Morel, les deux, là, t'as envie qu'ils s'en sortent, quoi. Ah, les deux. Ah, oui, oui, t'as envie que Glenn, ils prennent pas un coup de batte dans la tête dans l'histoire, quoi. Bah, c'est pareil, tu peux pas les voir mourir. Ah, non, 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 là, tu peux pas, là. Il backtrack pour avoir le cœur, et il a bien raison, Narium. 15 minutes. Clairement, il a bien raison. Ah, ouais, mais quelle belle run de merde, hein. Ouais, quelle belle run de 15, merde. 15 minutes, oh, les noobs. CO2. Ah, je l'aurais tellement pas vous pouvez dire dans le chat, parce que honnêtement, celle-là elle était dégueu. Hein. Oh là là. C'est vrai que Tyrion aurait pu bomber le Dutchman pour un objet de plus dans le. Un truc du chest. Je sais pas si vous voulez dire à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fini, c'est celle-là de run. Oh, je la finissais pas moi, clairement. Oh mon nom. J'ai jarté la liste des starters. Alors, Judas il le voulait pas, je crois. Hein. Parce que j'ai plus la liste en fait, je me suis servi pour jarter le moustique. The Lost par contre c'était ok. Judas, Eve. Et Judas, Eve et un relou je crois pour The Lost, ouais, c'était The Lost était bon je crois. The Lost. Et Magic Mush. Magic Mush. Ah mais c'est Viking qui a raison, on aurait dû laisser Darium finir. Ne serait-ce que pour lui dire un énorme GG à la fin quoi. Et il se remarque qu'il aurait pu finir. Vetkin nous dit les scénarios finir, mais il aurait pu finir si c'est lui qui a coupé sa route. Ouais, il aurait pu finir, ouais. Il aurait pu, ouais. Ok. The Lost Magic Mush. Ouais. Ça va être sympa. Ouais. Ouais. Ou pas. Ah, j'essaie de le faire à la mémoire quand même. Nul, c'est nul à chier. Oui. Oui. J'avoue, pour le coup... The Lost Magic Mush, quoi. Non, c'est bien. Moi, je trouve. C'est nul. À chier. Zéro redoublement demandé. Surtout avec The Lost, quoi. C'est très, très nul. Tout à fait. Tout à fait. On va s'amuser. Oui, bah j'espère qu'ils vont avoir plus de stuff que la run précédente quand même, hein, parce que sinon ils vont vraiment nous détester. Hein. Oui, moi je le sens bien. Je sens bien cette petite run. Allez, si tu le sens bien. On va croiser les doigts. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Thierry, Ah, t'as beaucoup de training, The Lost, oui. Ah, ouais. Oui, là pour le coup, The Lost. Et maîtrise. Alors, je sais pas après comment Narium joue The Lost. Après, avec le R+9 qui était très joué, tout le monde a plus ou moins fait du The Lost. Ouais, de toute façon, je pense que Narium il est plutôt solide quand même avec The Lost. Ça utilise le D4, c'est beau. Je crois qu'il est solide tout court. Ouais. Bah, il a montré avant. Oui, non, là, il est tout à fait. Moi, je suis. Il fait très belle run, là. Oh, c'est clair. Les deux, hein. D'accord. Il reset pour chercher du stuff. Il a raison. C'est pas con. Quand ça va démarrer. De toute façon, il sera plus fort. Il a quand même des trucs dégueulasses. Hein. Ouais. Je sais pas ce que Radif fait. Je sais pas. Il était parti chercher à boire après ce run dégueulasse. Je pense que Narium il est au taquet. Oui.
Comment il s'appelle ce personnage, putain, je cherche mon... Patrick. Ah, Patrick, putain. Patrick. Patrick. D'accord. C'est censé être quoi, juste? Ah, tu connais pas Bob Sponge? Ah, Bob l'éponge, vaguement, mais j'avoue ne pas avoir regardé Bob l'éponge. Pourtant, c'est bien, franchement. Moi, j'aime. Voilà. Bien. Non. Ouais. Non. Si. Non. Si vous avez des goûts de chiottes, vous avez des goûts de chiottes. Il a l'air d'agir. D'accord, il revient. Donc, Red revient. Il fait sûrement la petite pause caca. Tout à fait. Mmh. Une étoile de mer. Ah, d'accord. Merci, Vutking, pour cet éclaircissement. Pousse pipi. Alors, par contre, là, Nario, il est en train de lancer tous ses mêmes. Hein. Ah, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a en jeu. Tout ce qu'il a. Tout ce qu'il est prévu pour le tournoi. Pour les 75 prochains tournois. Merci, Vutking. Voilà. Ah, ça va commencer. Ok, Radio, allez. Retour. Oh là, j'ai un énorme délai chez Narium. Ah, moi, ils sont quasi en même temps. J'ai 3 secondes. Ouais, attendez, pareil, bon. Petit cosplay. Pareil. Ok. Oh, la bombe ici. Bof. Oui, mais si tu veux, comment dire, c'est pas le même rapport aux bombes, sachant que tu t'en bats les couilles des rochers marqués. Ouais, ouais, mais bon, là, ça, il était pas trop dégueu, quoi. Tout à fait, mais t'as un petit peu moins, t'as un peu moins d'intérêt de garder une bombe pour un rocher marqué, comme avec Judas, tu pourrais l'avoir, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Ah, le temps de photospace, ça, c'est bien, ça. Bonne idée. Bah, c'est toujours un peu ballsy de reroll l'item de B1, dans le sens où tu peux te griller pour la première DD. Ouais, mais il y avait une batterie, donc tout va bien. Il y avait une batterie dans la salle. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, je suis con, bien sûr. Évidemment, j'étais sur Nari. Ah, on te laisse alors. Alors, par contre, c'est très simple. Oh, Red, oh là là. Alors ça, les soins que je prends. Oh là là. Oh là là, la manette. Mais non, tout va bien, c'est que la manette. Mais non, mais. Narium qui wipe. Ben ouais. Il est parti débrancher la manette. Le CIO. Allez, l'appel. Hein. Ouais, ouais, bah l'appel, oui. Bah, avec le stuff là, ouais. Hein. Je crois qu'il voulait. Il voulait. Voilà. Alors là, il est parti sans dégâts. Never forget, bro. Oula, guepillé. Ouais, OP. Yes. Voilà. Bon, c'est quoi? Mais c'est quoi cet étage? Pourquoi tu dis ça? Bah regarde le boss où il est! Bah ouais. C'est un bon étage. Oh là, alors par contre le boss. Les boss. On fera la passion. Ouais. Putain, mais. Mais why quoi? Oh putain. Oh la vache! Oh là là, oh là là, oh là là. Je pensais pas qu'il le toucherait là. C'est quoi ces runs d'enculé qui stoppent quoi? Allez, on reste sur un. Après, il part la strat de l'appel, voilà, tu pars au chess en dégâts, quoi. Après. Il a un Fortune Baby, tout va bien. Et puis le Fatih, il est un peu vénère. Hein. Mm. Un peu. Je trouve un peu respectueux. Ah, le wipe. Oh là là. Oh, double wipe. Parce que déjà, le petit double monstro, là, honnêtement, quoi. Dans le lutte des Yarius, honnêtement, faut pas le prendre. Oh, ils ont quand même des rangs dégueux, hein, j'avoue que... Ah non, mais là... Non, mais Narium fait le choix de pas prendre la DD du tout. Donc il part sur Angelo. Non, il a pris la Knight. Bien sûr. L'appel. J'avais Shovel Knight en tête, je sais pas pourquoi... Bah, c'est un chevalier, l'appel. Pas de doute. Ouais. Il roule des pelles. C'est ça. Shovel Knight, il roule des pelles. Mmh. Bah oui. Bon, mais du coup, Narium reprend... Je crois que, ouais. Ouais, bah, surtout que Red a l'air d'avoir des problèmes de manette. Mmh. Shielding time, ouais, c'est ça. Ah, Brouwer Bobby, ça c'est bien, ça. J'espère que vous appréciez les RNG. Ouais, non, mais là, j'avoue que... Claire.
Oh la vache, une height pour Red. Je crois que je vais créer les prochaines races. Je vais les créer les prochaines runs. En fait. Tu tourneras la roue aussi. Oh la vache. Red qui wipe une fois de plus. Ah, c'est quand même assez ignoble. Hein. Ouais. Bon, pour l'instant, Red a atteint le boss de Cave 2. Ouais. Disons. Hein. Bien sûr, mais Red a atteint le boss de Cave 2. Cave 1. Non, Cave 2, il a utilisé appel. Oh, ah, Cave 2, oui, bien vu. Oui. Il a raison. Tout oui, à fait. Oui. Ah, il y a des touch plus loin. Ouf. Oui. Donc, ouais, du coup, faut pas skip Cave 1. Non, clairement. Il y en a besoin du Death Touch. Par contre, il a pas été voir sa Curse Room, notre ami Narium. Ouais. Il y avait deux items de Guppy. Il y avait deux items de Guppy dedans, ça peut servir. Là, j'ai envie de dire, Red peut presque farmer dans le sens où il sait que Narium est très loin devant. Et que sa seule chance c'est que Narium clams. Encore faut-il qu'il arrive à passer ce boss. Il y a Guppy à l'étage. Oui, c'est ce que je veux dire. Oh là 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 là. Ouais. Et ça s'en va. Il peut pas le savoir, malheureux. Ouais. Moi j'aurais même pas reroll, sachant que de toute façon. Bon, tu sais que t'es au fond, donc... Red décide de pas passer C1. Bah, c'est ce qu'il faut. Bah, si. Si, finalement. Si. Il cherche. De toute façon, il y a pas de Guppy, hein, donc why not, hein. Guppy is alive, bah pas tant que ça. Bah non, c'est à l'étage, quoi. Mais va falloir passer l'étage, quoi. L'étage qui n'est pas forcément très sympa. Ah, oh, putain, la manette, quoi. Il va falloir se cotiser et acheter une manette à Red. Hashtag une manette pour Red. Ouais. Je lance un Tipeee dès maintenant. Il n'a rien de crever. Hein. Faut faire gaffe à ça aussi. Hein. Après, bah, il manque, est bien là. Putain. Il manque le Death Touch, la Red là. Il aurait eu besoin vraiment du Death Touch. Hein. Ah bah, donne GG. Little Steven, bien sûr. Après, s'il y a des Guppy. Ça va, mec, Guppy, il rentrera pas là. Je sais pas. Faut déjà qu'il meure pas déjà. C'est ça. C'est surtout ça, quoi. C'est le Fatty, là. Quel fils de. Faut arrêter le Fatty. Tue le Fatty. Meurs, Fatty. Meurs. Combien il a de PV lui? 1 milliard. Beaucoup trop. Et il a pas le dé. Et non. Ouais, ça sent la win pour Narium. Hein. Et il prend pas le trinket de mapping. Tiens bon. Oh, je crois que là il est en tilt là. La place de Red, je pense qu'il en a marre et que fuck le jeu. Ça y en a qu'un au pioupi. Tout à fait. Après, je pense qu'il trouvera la Guppiza d'ailleurs. En théorie, peut-être là. Dans Devil Deal, je pense plutôt. Mais ouais, je pense qu'il trouvera là. Il trouvera la Guppiza d'ailleurs. Il est au même étage que Narium, mais il a pas des touch. Ouais, non, mais le stuff de Narium est bien meilleur, hein, même avec la badane. Hein. Oh, ouais. Il a presque double de dégâts, clairement. Eh oui. Parce que là. Ouais, il y a le Lilbrim, hein. Mais bon, ça fera pas tout. Le Lilbrim, plus il va avancer, plus il sera d'exotique, le Lilbrim. Ouais, ça va pas. En fait, il faut pas passer Kaizen. Hein. En fait, dans cette seed-là, en particulier, il faut pas passer Kaizen. Ouais, Jacob Vlader, hein. Qui n'est pas pris. Et là, par contre, je suis dubitatif quand même sur ça. Ah oui. Je pense que le Jacob Vlader aurait pu être pris en utilisant la TP. Oh, there's not a link for the bracket, but Ika, can you send to the chat? Yep, I can do that. Yeah. Hello, Cyber. I need to upload it. So. Tu l'as mis où, bracket, déjà? dans les règles.
Après, faut que je l'upload parce qu'il y a la victoire de Kravla, de Crafter sur Passion. Y est pas. Le Small Mush, bah non, mais surtout Jacob Zeller, honnêtement, j'aurais appris. Dans les règles. Ouais, dans les règles, c'est la toute première phase. Ah, faut que j'ouvre le doc et tout. Oh là là. Oh là là, ouais, hein. Ah là. Surtout avec un tirate élevé comme ça, Jacob Zeller, c'est pas intéressant. Oh bah clairement. Il y a Bozo. Je pense que Red va le prendre, oui, voilà. Il a raison. Ouais. Et Narium qui wipe. Non. Ah. Are you serious? Ouais, ouais, non mais... C'est pas fait, hein. Bon, Narium a atteint Eclipse, hein. T'as le bracket, Nika? Oui, oui, ça vient de... Oh. Ah. What? Ah, il y a deux liens différents. I need your card pick the first one. Yeah, but the second one works too. What? Je vais essayer de l'upload. Je le mets à jour, je le mets à jour. Donc Red a fait le choix de ne pas skip Bomba. En espérant, j'imagine, enfin, il va avoir un DD, il a 100% de chance DD. Si tu veux Magardi, bon, en espérant, j'imagine... Brim. Bah Brim, déjà, ça va aller mieux, mais je pense qu'il aurait... Jacob Zeller, du coup. Il aurait voulu Guppy, je pense. Hein. Mais si, il a à jour le bracket. Si je vais grader à jour, alors, ouais. Ouais, non mais voilà, le lien que j'ai mis là, c'est un lien qui était dans le Discord aussi, hein, que t'as mis pour le bracket, mais... Ah ouais, ouais, d'accord, ouais, non, non. Je sais pas... Il y en a deux en fait, c'est pour ça. Yep. Non, Never Guppy. Never Guppy, ouais. Bah, c'est dommage parce qu'il aurait pu l'être, hein. Mais je pense que c'est... En fait, la grosse erreur... Enfin, la grosse erreur. Je peux comprendre qu'il skip Caves 1, mais en fait, il serait arrivé à Caves 2, il aurait... Pas skip Caves 1, non seulement il aurait eu Death Touch, mais en plus il aurait eu le déplin pour avoir la Guppy Z. Mmh. Je me suis bien fait bait chez GIK. Hein? Pas sûr qu'il y ait, je me suis bien fait bait chez GIK. Brim et Lilbrim qui vont bien ensemble, forcément, mais, ouais, mais c'est pas ouf en termes de dégâts. 6-12 de dégâts, quoi. 6-12. Il est mort sur. À la KT? Non, sur Eclipse. Donc, si Red bat Eclipse, ce qui va arriver, je pense. Bah, Red pour l'instant a le point. Mm. Ah, enfin dégâts. Putain, il était enfin. Temps, quoi. Un poil mieux, hein. Ah, il a une carte sur Robo aussi. Une des dernières chances, peut-être, de trouver... Ah, bah Guppy. Oh, oh là 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 là. Voilà, Guppy. Ah, mais il est content, il doit être content, en plus, il doit mettre... Du coup, il va même pas dans la curse room, de colère. Oh, parce que normal. Il doit mettre... Regarde, comment ça s'appelle. La chanson des chats, là. Ah, puis cette saloperie. This run is a lie. Garde des chariots, mais oui. Never seen before. What the fuck is that? Ah, il a pris un hit. Space Cats, merci Vudking. Voilà, je veux dire, ça voulait pas venir, hein. Ça voulait pas venir, quoi. Vudking est loupé. Oh, extraordinaire. Ah oui. Si ça, c'est pas un test de qualité. Comme le reste de leur run, hein. De la merde. Il est dispensé, il loupe la coupe.
J'ai pris une touche. No, I don't think the pencil work with Brim. No, I don't think so. It doesn't seem to, so yeah. De quoi? Le pencil. Pencil avec le la Brim. Pencil, ouais. Ah, c'est la question que je me posais, ouais, je sais pas. Oh, mais je te dis quand même. D'accord. Je te dis quand même. Dénigrer la grande musique, what? Il est dégueulasse ce chess, hein. Ouais, non, mais comme le reste de la run, de toute façon, y'a rien de. Voilà quoi. Nice knowledge mods. Backtrack pour aller reroll tes items. Bah oui. Bah non, ils s'en bat les couilles. Il veut finir là, il veut en finir là. Hein? Laissez-moi finir cette run! Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bah apparemment si, hein. Bon, la war et Guppy là, bon. On devrait le faire. Hein. Tout d'un coup, c'est quand même plus jouable. Oui, là quand même, ça va mieux. Ah, le plan C. Et il meurt! Dans notre souffrance. Oh là là! Oui, et l'image de Vianney! Incroyable! Direct. Oh, on avait Narium quand même. Hein. I think he was fed up. GG, oh là là. Ils sont français. GG Narium. GG Narium. GG. Ouais, GG quand même, oui. Bah oui, GG, ouais. Et GG Red également. Mais quel run, quoi. La Red ne nous entend pas. Bah, il doit t'entendre. Il doit t'entendre. Non, mais il est pas mort non plus. Elle nous dit bébé. Non, c'est pour le blue baby. Incroyable. Ouais. Incroyable, en tout cas, ouais, belle race ils avec. Sont là, ah, ils sont là, c'est bien. Avec deux starts bien dégueu. Ouais. En tout cas, ouais, GG arrête, donc on retrouvera demain. Et GG Narium, t'as pas démérité clairement sur. Ah oui. Sur ce match. J'ai quand même chié dans la colle avec The Lost. Hein. Ouais, mais ouais, bon, la run était dégueu. Point, ouais. La run était dégueu. Ah ouais, c'est con. Il ouais. Était loin quand t'es wipé. Ouais, quoi. Bah ouais, j'ai bien vu. Mais j'ai pris un hit à la con sur Eclipse et après c'était dur du coup. Ah, ça sur les dernières phases à la fin. Je vais amener Def et Slash en tout cas pour le match suivant. La question est, est-ce que la RNG de Def va réussir à compenser la mienne? Ah, on va voir. Ah. Hey Def, hey Slash. Hello. Hello. Ok. Put on your stream of some setup to you and then